Développement carrière et compétences, D2C Gironde est une initiative de l'association Transfert soutenue par le département de la Gironde. D2C favorise les mises en relation de proximité entre entreprises et habitants d'un même lieu en promouvant le recrutement local. Cette opération vise les demandeurs d'emploi prioritaires adressés à l'association Transfert par les services sociaux locaux ou Pôle emploi et les petites entreprises. La méthode combine médiation active par une mise en relation active entre les besoins des entreprises et les demandeurs d'emploi les plus fragilisés, ça nous aide à voir l'endroit où on va travailler, dans quel contexte on va travailler, avec les personnes qu'on va travailler. Ça nous aide beaucoup à mieux savoir si on est fait pour ce poste. Et animation territoriale avec un appui au développement des entreprises par le soutien à la gestion de leurs ressources humaines. Si ces personnes avaient postulé chez nous par le canal classique en voie de CV, certains n'auraient pas été recrutés parce qu'ils ne rentraient pas dans nos critères de prédisposition. En 3 ans, en Gironde, ce sont 908 entreprises accompagnées et 1163 demandeurs d'emploi. 77,5% d'entre eux ont bénéficié d'au moins une mise en relation en entreprise, 66% ont accédé au moins une fois à un emploi, dont 25% à un emploi durable. Ça n'est pas de l'embauche au rabais, ça n'est pas de l'embauche sur de l'intérim ou du contrat Kleenex, on est bien sur quelque chose qui a vocation à durer dans le temps. Chaque accompagnement dure en moyenne 5 mois et coûte 1 316 euros. Pour 2015-2017, le coût de l'opération s'est élevé à 2 725 593 euros, financé à 50% par le département de la Gironde et 50% par le Fonds social européen.